Magnus qui va affronter Logan McGuinness dans un combat au cours des prochains instants, prévu pour 10 rounds chez les Super Plumes. Si vous êtes prêts, nous le sommes. Allons tout de suite à Christian Gauthier. I'm the party application rocking just like that. This is international. Carlos Manuel Reyes. Logan Cotton McGuinness. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. Mesdames et messieurs, voici un combat prévu pour 10 rounds dans la catégorie des poids super plumes. Ladies and gentlemen, sit back and enjoy 10 rounds of action in the super featherweight division, une co-présentation de Mise au jeu et Vidéotron, a co-presentation of Mise au jeu and Vidéotron in association with Hennessy Sports, sponsored by Liquid Caffeinated Water. Les juges pour ce combat, the three judges appointed at ringside to score this bout, Richard de Carufel, Jean Gauthier, et Claude Paquette. L'arbitre du combat, your referee in charge, Mr. Marlon Brando Wright. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et argent et pesant 129,8 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black with silver trim, he tipped the scale at 129.8 pounds. En 25 combats, il a 23 victoires, 15 par KO et un verdict nul. With a professional record consisting of 23 victories, 15 coming by way of knockout and one draw in 25 bouts, champion de la République Dominicaine des poids plumes, he is the current featherweight champion of the Dominican Republic, accueillant de Mao República Dominicana, Carlos Manuel Reyes.
Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte verte, ornée de orange et argent, et pèse 130 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears green trunks with orange and silver trim. His official weight, 130 pounds. Invaincu en 19 combats, 18 victoires, 9 par KO et 1 verdict nul. He is undefeated in 19 professional bouts with 18 victories, 9 by way of knockout and 1 draw. Mesdames et messieurs, le champion NABA des poids légers, he is the actual NABA lightweight champion from Orangeville, Ontario, Logan Cotton McGuinness. All right. Let's go. Gentlemen, you both received my instructions. Remember, protect yourself at all time and obey my command at all time. Touch gloves. Put that one. Thank you. Alors, deux boxeurs, Mike, qui n'ont pas souvent goûté à la défaite qui s'affronte actuellement. Non. J'ai des super plumes, 10 rounds de boxe. Oui, absolument. Du côté de McGuinness, 25 ans, 28 ans pour Reyes. Et les mensurations, ça se ressemble. Box! Ça, c'est bien. Alors, voilà, c'est lancé. 10 rounds de boxe de prévu dans cet affrontement. Très hâte de voir comment Reyes boxe parce que c'est tout un boxeur, semble-t-il, celui qui a la culotte noire. Oui, champion de la République dominicaine. Et quand on vous dit qu'il faut faire attention à l'affiche, eh bien, ouais. Ce boxeur est là. C'est vraiment un exemple incroyable. Regardez, il a une fiche de 23 victoires, une défaite et un verdict nul avec 15 victoires par KO. Donc, quand on regarde ça, il est champion de la République dominicaine. Ouais. Mais si on regarde ses 23 victoires, il n'y a aucun de ses adversaires qui avait une fiche positive. Ça aide toujours à une fiche, ça. Et tout à fait. Et dans sa défaite, eh bien, il a affronté un boxeur qui avait une fiche positive et il a perdu. Et du côté de McGuinness, on sait que c'est un boxeur qu'on connaît bien. Lui qui a battu Benoît Godet, on se souvient? Oui, t'as raison, oui. Benoît qui menait et à la fin, McGuinness qui a réussi à passer le KO à Benoît. Donc, d'ailleurs, c'était son dernier combat. Et McGuinness, lui, est toujours invaincu chez les professionnels. Oui, il y a 2 minutes à faire au premier round. C'est Marlon B. Wright qui est l'arbitre de ce combat. Il change. Oh, belle main droite, là. Oh, bon, il a décidé, là, de faire des échanges de cadeaux un peu plus tôt que prévu, là. Ah, oui. Les deux qui semblent vouloir vraiment échanger, là, dans ce premier round. C'est l'échange de cadeaux du party de bureau, je pense. Au travail, on s'en donne. Un vendredi soir. Un bon vendredi soir, mais ça. D'ailleurs, merci à vous de passer votre vendredi soir avec nous, d'avoir choisi de regarder cette soirée de boxe. David Lemieux s'en vient un peu plus tard et évidemment qu'en grande finale, le retour de Jean-Pascal après 19 mois d'absence. On s'échange de bons coups de part et d'autre. On est généreux de la gauche et de la droite dans le cas des deux boxeurs. Reyes, lui, il va avec des coups de puissance. 23 victoires, 15 par KO, comme on vous l'a dit, là, c'était pas face à des adversaires très solides, mais quand même, qu'est-ce que ça signifie exactement? Bien, on va le voir. Bel échange, mais surtout une belle combinaison avec les deux mains de la part de Reyes, qui a atteint son adversaire, McGuinness, avec les deux mains. McGuinness qui boxe serré, là. Très collé, tente d'échanger coup pour coup. Avec les deux mains, Reyes qui frappe la garde maintenant de McGuinness sur les côtés alors qu'il tentait un coup au corps. Beaucoup d'action dans ce premier round. Ouais. Déjà des grosses rougeurs sous les deux yeux de McGuinness. Moins de 10 secondes à faire maintenant au premier round. On a donné beaucoup d'énergie dans ce premier round, Mike. Oui, excellent premier round. Wow. Très excitant. Ça démarre très bien. C'est bien fait, ça. Et est-ce qu'il nous a fait signe avec la tête qu'il était satisfait de son travail? Content de son premier round. Reyes qui semble avoir eu un peu le meilleur là, dans ce premier round. Bonne foule encore ce soir ici. On le disait tantôt, c'est le dernier rendez-vous de la série Rapide et dangereux en 2012. Et ça aurait été un succès, vous le voyez.
belle foule ce soir encore, beaucoup de monde dans les estrades. Évidemment qu'avec Jean-Pascal et David Lemieux et Kevin Bizier sur la même carte, ça attire beaucoup de monde. Et faut pas oublier Eléder Alvarez. Tellement prometteur. Seulement 10 combats, mais déjà, là, on dit qu'il brasse énormément Jean-Pascal en sparring. Donc, boxeur tellement talentueux. J'aime beaucoup le voir. C'est un bon coup que les gens du groupe Yvon Michel ont réussi à faire, aller chercher lui et aussi Oscar Rivas en même temps. Oui. On les avait perdus pendant quelques mois, question de visa et tout ça. Ils sont revenus par la suite après des vacances chez eux. Et vraiment, là, très, très belle acquisition. Et pour les prochaines années, ça va être intéressant de voir comment ces deux gars-là vont se développer. Mais Alvarez, qui parle d'ailleurs un excellent français, oui, très, très bien de l'avoir. Très bien adapté ici au Québec. Encore une fois, on sent qu'il y a encore beaucoup d'énergie dans le cas des deux boxeurs ici. Hey, je suis d'accord avec M. Mancini qui a donné le premier round à Reyes. À Reyes, hein, ouais. 19. C'est vraiment une guerre de tranchées. On est collés l'un sur l'autre et on se frappe à qui meut mieux. Ouais, surtout, on se frappe au corps de chaque côté. Attends, McGinnis là-dessus. Il y a des gens là, qui se disaient peut-être que Reyes a une fiche complètement montée de toutes pièces, mais ouais, quand même, nous démontre de belles habiletés. Il veut se battre. Oui, absolument. McGinnis qui avance maintenant. Crochet de la droite pour Reyes. Les deux boxeurs qui se frappent en même temps. Autour de McGinnis maintenant. Le jab au menton. La réplique de Reyes. Oh! Belle combinaison. Autant à la tête qu'au corps, il a atteint McGinnis. Et avec les deux mains. C'est bien fait, ça. Il semble très confiant, Reyes. Oui, absolument. Regarde ce qui se passe. Place ses coups de poing. Beaucoup au corps. Reyes qui a réussi à frapper McGinnis qui s'est contenté de le retenir. Oh, encore une fois, les deux boxeurs qui se frappent. McGinnis a porté des bons coups aussi. Moi, je crois que quand on s'échange comme ça, c'est à l'avantage de Reyes. Il semble plus puissant là, dans ses coups de poing. Il semble moins fatigué, en ce cas, physiquement, actuellement, que Logan McGinnis. McGinnis, lui, n'est pas reconnu pour avoir une grande force de frappe. Alors, c'est difficile là, pour lui. Là. Jab, jab pour McGinnis. Reyes qui a réussi à éviter et à reculer. À son tour maintenant de se porter à l'attaque. C'est à droite. La mère qui est venue par-dessus la gauche là, de McGinnis. Oui, Reyes qui souvent là, lance cette main droite, tente de faire mal. Oh, ça vient fait, ça, McGinnis. Il a porté un coup, Reyes a avancé. Et tout de suite, McGinnis est revenu avec la main arrière encore une fois. Reyes qui avance, McGinnis qui le repousse. C'est lui qui lance le jab. Avec le jab, tu as vu, hein? En haut, en bas, en haut, en bas. Crochet pour crochet. Au corps, à la tête, au corps. Au corps, encore une fois, et à la tête. Les deux boxeurs qui ne se font pas de cadeaux, là. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, Benoît, que Reyes fait plus fort que McGinnis. Ça semble faire plus mal, en tout cas. Et McGinnis est plus, entre guillemets, magané, permettez-moi l'expression, que Reyes. Reyes qui se porte à l'attaque, encore une fois, avec les dernières secondes de ce round. Bien travaillé. Bien travaillé, M. Reyes. Ouais. Excellent deuxième round, encore une fois. Wow. Un bon round de boxe. Si on souhaitait avoir de l'action, on en a eu. Alors qu'on voit quelques-uns des bons moments, les deux boxeurs qui sont atteints là, allègrement. Ils ont réussi à placer de bons coups. McGinnis qui souvent tentait de sortir de ses attaques en se servant de son jab, a réussi à le faire, mais tout de suite, Reyes, comme un chien enragé, revenait sur lui pour le frapper. Très impressionnant le boxeur actif de la République dominicaine. Il domine ce combat jusqu'à présent. C'est pas facile là, pour McGinnis. On va lui voir Samuel travailler sur le visage de son protégé. Des rougeurs depuis le début du combat dans son cas. Le prochain combat qu'on vous présentera, Danny McIntosh va affronter un de nos préférés, Eléder Alvarez. Ça s'en vient. Pour l'instant, 19 encore une fois Reyes en faveur de McGinnis. 20-18 s'affiche jusqu'à maintenant. Il y a du ruban là, qu'on tente de replacer sur les gants de McGinnis. C'est fait. Bon travail de Marlon B. Wright et c'est reparti.
Reyes encore qui s'amène et qui frappe. Combinaison. Gauche-droite. Encore avec son jab, McGinnis qui tente de casser l'attaque de son adversaire. Par-dessus la garde, le crochet encore. La droite de Reyes qui touche deux fois. Là. Et une troisième. McGinnis qui a réussi finalement à toucher la cible, mais Reyes qui semble nullement intimidé là, et continue de foncer vers McGinnis et placer son jab pour finalement tenter de toucher avec une grosse main droite. Ouais. Oh, dans le dos ici, là. Ça, c'était directement dans le dos. Reyes le sait, s'excuse. Le jab de sa part. Autour de McGinnis maintenant. Oh, il y a eu un beau petit crochet de la gauche que j'ai aimé de la part de McGinnis, là. Un long jab. Il a des longs bras, hein, McGinnis? Ouais, McGinnis, justement, ne profite pas là, de cette portée-là, de le garder à distance. Reyes qui réussit facilement à entrer à l'intérieur. Et c'est la raison pourquoi il a du succès. Alors, McGinnis, s'il utilisait son jab, lui décide d'échanger, rester corps à corps avec lui. Et c'est pas payant pour lui. Il peut le garder à distance, là. Absolument. Regarde comment Reyes est fatiguant. Toujours en train de revenir sur lui, revenir sur lui. Il se fait frapper, mais il revient. McGinnis le laisse entrer sur lui. Donc, c'est la raison pourquoi il se complique la vie inutilement. Et Reyes, lui... Les boxeurs intelligents continuent, lui, de s'avancer sur sa proie et de placer ses coups de poing. Le jab, encore une fois, mais regarde Reyes qui rentre. Il semble pas du tout respecter le jab de McGinnis. Pas du tout. Il en prend un, puis il avance ensuite. Ah, c'est un bon point. Reyes qui semble nullement intimidé là, par la force de frappe de McGinnis. Prochaine McGinnis, un deuxième. Reyes qui revient, qui se colle sur McGinnis. Deux boxeurs qui sont le long des câbles. On revient au centre. Beau crochet au corps. À la tête maintenant pour Reyes. La réplique avec le jab pour McGinnis. L'attaque de Reyes maintenant. Kevin McGinnis dans les câbles. Changer les positions. Inverser les rôles. Une fois Reyes qui réussit à tirer son épingle du jeu dans les échanges. Le jab de McGinnis. Avec moins de 30 secondes à faire maintenant au troisième round. Oh, Andy Wright qui les sépare. De beaux échanges ici. C'est bien fait ça par Reyes. Oh, le beau petit crochet de la droite là, par-dessus la garde. Comme c'était bien fait. Reyes qui, selon moi, est dominant. C'est bien fait. Reyes qui a été vraiment, fait preuve de beaucoup de courage. Et comme je te le disais tantôt, n'est pas du tout intimidé par ce qui se passe devant lui. Non, il faut lui donner quand même le mérite de toujours foncer sur McGinnis et de réussir à placer les meilleurs coups de poing. Encore une fois, donc, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Reyes qui fait preuve de beaucoup de courage ce soir. Il semble en bonne forme physique également. Plus en forme, on dirait. En tout cas, il donne l'impression d'être plus en forme que McGinnis, qui a eu peut-être le plus de coups jusqu'à maintenant. Et surtout les coups au corps qui ont semblé ralentir McGinnis, qui semble exténué là, dans le coin. Regarde son visage, regarde le visage de Reyes. Je pense que c'est assez clair. Et voilà, c'est relancé encore une fois pour ce combat. Entre Carlos Manuel Reyes qui nous surprend depuis le début et qui domine complètement 30-27 au niveau du pointage. Merci à M. Mancini qui est encore avec nous ce soir pour nous donner son expertise round par round. Ouais, je crois que c'est bel et bien le cas. Reyes qui a gagné les trois premiers rounds jusqu'à présent. Je vous rappelle le combat qui est prévu pour 10. Encore une fois, des échanges très rapprochés là, entre les deux boxeurs. McGinnis s'est servi de son jab et t'as vu Reyes reculer là. On l'a rarement vu faire ça depuis le début. On va donner un coup dans le dos. Dans le dos, ça. Échange de jab, la main droite. Encore une fois. Bien fait par Reyes. McGinnis qui réagit. Il est fatigant comme boxeur Reyes. Beaucoup de volume du côté de Reyes. Hey!
comme l'impression, Benoît, que McGuinness n'a jamais réussi à se faire respecter jusqu'à présent dans ce combat. Oh, complètement. Reyes veut rien savoir. Échange des deux boxeurs. Reyes qui tente de faire reculer dans le coin McGuinness, mais ce dernier n'a pas bronché. Le jab. Reyes tente de placer ses coups. À son tour, McGuinness le recule. Encore une fois, regardez avancer. Mais quand on regarde les coups qui. Les coups puissants, c'est tout est à l'avantage de Reyes. Une petite combinaison rapide là, pour McGuinness. Et Reyes qui revient encore. Un peu plus de une minute à faire maintenant au quatrième. Moins d'une minute à faire maintenant. Reyes qui tente des coups. McGuinness qui s'est penché devant lui juste avant pour éviter la charge de son adversaire. Il a le dos dans les câbles maintenant et échange coup pour coup avec Reyes. Ils vont manquer d'énergie à un moment donné. Là. Écoute. Ben, Reyes m'impressionne quand même. Semble en pleine possession de ses moyens. Toujours bien alerte. Touché McGuinness au menton et ça a fait mal. Ça, c'est un jab, Benoît, vraiment puissant. Ouais. Il a juste réussi à le faufiler au bon endroit. Oui, absolument. Bien le placer. Au corps maintenant. Reyes qui revient. McGuinness qui semble surpris de l'opposition qu'il a ce soir. Oh, belle main droite, ça. Enfin, là, McGuinness qui a réussi à placer de bonne main droite. Reyes reculait au même moment, heureusement pour lui, parce que ça s'en venait, ça. Belle charge, les deux boxeurs qui échangent jusqu'à la fin de ce round. Bon travail de la part des deux boxeurs. McGuinness a été meilleur dans celui-ci. Ouais, mais selon moi, quand même pas suffisant. Pas meilleur que son adversaire, mais meilleur par rapport à lui. Mais il a eu peut-être ses meilleurs moments où il est en mesure de frapper Reyes. Mais du côté de Reyes, impressionnant à quel point ce boxeur est agressif et continue de mettre de la pression. Donc j'ai hâte de voir M. Mancini à qui il a attribué ce quatrième round. Reyes m'impressionne, Benoît. Malheureusement, on n'avait pas eu la chance de voir des vidéos de ce boxeur. Ouais. Donc, c'était difficile d'évaluer. On a vu le jab dont tu parlais, là. C'est ouais. Bien placé, ça. Boum, avec la main gauche. Il y a eu des bons échanges, mais vraiment, là, on se bat de façon rapprochée. Et quand je te disais tantôt, j'ai hâte de voir au niveau d'énergie. Est-ce qu'on va être capable de continuer comme ça jusqu'à la fin, tu comprends? Alors, Marlon Birrell qui demande une petite pause. Lui, il a demandé est-ce qu'on corrige le ruban sur le gant de McGuinness, parce que, rappelle-toi, oui. En début de round, tantôt, on avait eu le même problème, et là, on refait encore une fois l'ajustement. Oui, ça semble un problème, mais là, vraiment, on veut s'assurer là, que ça ne soit plus un pépin d'ici la fin du combat. On va voir s'ils seront en mesure d'arranger ça de façon assez rapide. Good stuff. Voilà. Ça semble rétabli. Et on est prêt maintenant à lancer le prochain round. Et ça recommence comme le dernier a terminé. En frappant coup pour coup avec un avantage de 19 Reyes. Tu vois? Oui, encore une fois. Tu l'as vu la même chose que toi. Le quatrième round à Reyes. On rappelle, c'est pour le titre NABA. C'est les super clubs, c'est les 130. C'est que McGuinness avait acquis ce titre-là justement face à. Le jab de McGuinness qui aurait intérêt à se faire respecter davantage parce que, comme on le disait tantôt, Reyes là, n'a pas peur de lui, ne le respecte pas, entre dans sa bulle à chaque moment pour venir le frapper au corps et à la tête comme il le fait en ce moment. Oui, il reste collé sur lui. Oh, c'est bien fait la part de Reyes qui a fait mal à McGuinness. Belle combinaison droite-gauche-droite. Pas surpris, Benoît, que Reyes finisse par lui passer le KO parce qu'il lui fait très, très mal avec sa main droite. Donc... Il semble très énergique encore, Reyes. Ouais. Alors que dans le cas de McGuinness, là, c'est pas un combat facile. Non,
Ouais, je pense que de plus en plus, ce que tu mentionnais un peu plus tôt, le fait d'épuisement, est-ce que Réa sera en mesure d'avoir de l'essence jusqu'à la toute fin, c'est peut-être le seul point d'interrogation. Ouais. Parce que c'est vraiment en sens unique. Réa est-ce qu'il domine complètement McGuinness. Et ça depuis le début. Oui, absolument. Belle combinaison. Oh, elle a touché deux fois à la tête. Là. Et tu vois, à chaque fois que McGuinness est en mesure de toucher Reay, ça ne fait absolument rien. Et il revient tout de suite. Tout à fait. Donc, au corps maintenant, la réplique de McGuinness, qui a le dos dans les câbles. Et est-ce qu'il reste sur lui avec une minute et un peu plus à faire au cinquième? Le jab, oh, la grosse main droite, ouais, l'uppercut qui s'en venait. La droite maintenant par-dessus la garde de McGuinness. McGuinness qui tente de frapper son adversaire au corps. Légère perte d'équilibre pour Reyes, qui revient aussitôt. McGuinness qui tente quelque chose, mais ça ne marche pas. Ouais, tenté là, des crochets au corps et à la tête, a touché à quelques reprises. Et là, ça commence à être un peu mieux pour McGuinness au cours des dernières secondes. Ouais. Ouais, qui touche finalement, là, Reyes. Il a réussi à frapper 3 ou 4 fois. Ouais. Une autre fois ici avec la droite. La foule qui s'anime. Oh, belle séquence pour McGuinness. C'est la première fois qu'on voit Reyes un peu dans le trouble. Mais tu sais quoi, Benoît, même s'il a été touché à quelques reprises, Reyes n'a jamais démontré. Oh, le coup de corps finalement, ouais. Alors, ça prenait un coup au corps parce qu'à la tête, il ne voulait rien savoir et finalement, finit par se coucher. Ça prend juste un, hein. 8, 9 et il se relève. Est-ce qu'on va réattaquer en fin de round pour lui? Alors, Reyes, là, qui a payé le prix ça de fait vouloir mal, ça. Échanger et de laisser McGuinness travailler à sa guise. Alors, de vue, là, Benoît, justement, Reyes qui dominait encore une fois, mais finalement, McGuinness qui a réussi à placer des coups de poing. Et je trouvais vraiment que Reyes semblait pas vraiment ébranlé, mais c'est finalement un coup au corps qui lui a coupé le souffle et finalement a tombé et a mis un genou au sol. Le meilleur round de McGuinness jusqu'à maintenant, c'est garanti. Ouais. A très bien travaillé son adversaire. Regarde les coups, ça portait et ça touchait en même temps. Regarde comment il arrive à placer ses coups. C'est le premier coup au corps, on a vu. Exact. Et c'est la première fois qu'on voit Reyes un peu déboussolé, là. Décontenancé par ce qui se passait devant lui. Alors, vous avez vu, il y a eu 3 coups au corps au total. Il y a eu un premier coup au corps de la main droite. Ensuite, il y a eu un petit peu d'action. Et par la suite, il y a eu 2 coups au corps de la main gauche de la part de McGuinness. Et c'est ça qui a fait en sorte que Reyes a chuté. Downstairs and upstairs. OK. Voilà, c'est reparti. Est-ce que McGuinness pourra profiter du momentum qu'il avait en fin de round? McGuinness avait absolument besoin. Oui, de cette balle. Oui, absolument. Il vient de se remettre dans le combat. C'était un sens unique pour Reyes. Et là, ça vient de tout changer. Reyes qui a une avance de 2 points maintenant à mi-combat. Le job de McGuinness qui avance sur Reyes. Reyes qui reste encore fidèle à son habitude, prêt à son adversaire, mais on voit que la confiance de McGuinness a changé. Oui, ça lui a donné vraiment beaucoup de confiance. On le voit qui semble plus solide, plus confiant, plus actif. Avec les deux mains maintenant, il attend. Il a réussi à le toucher, là, encore une fois. On lui demande de se servir davantage de son jab à McGuinness dans son coin. On entend ses entraîneurs d'ici. Il avance sur Reyes. Et c'est rare qu'on a vu ça, mais Reyes recule. Ouais. C'est vraiment un beau revirement de situation. Vraiment, c'était à sens unique pour Reyes. Et là, finalement, c'est McGuinness qui semble mettre de la pression. C'est Reyes qui, maintenant, recule. Là. Et en plein milieu du combat, par ça. Ouais. Est-ce que Reyes était dit, il faut que j'ouvre la machine pendant les premiers rounds? C'est peut-être ma seule chance. Et moi, j'étais du côté de McGuinness. Je continuerai à travailler le corps comme il vient de le faire. C'est ce qu'il tente de faire, t'as vu, là? Ouais. Au corps, à la tête ensuite. Le jab. Donc, vraiment frapper à la tête pour monter la garde de Reyes et le surprendre au corps. Parce qu'on a vu que c'est ça qui l'a mis au plancher. Même si McGuinness est en mesure de le toucher à la tête, ça n'a pas vraiment lui faire mal. Le jab encore une fois de McGuinness qui avance. Reyes, c'est comme au round précédent. Un petit peu plus méfiant qu'il l'était. Oh. Belle uppercut, là. Il y a eu un crochet au corps et l'uppercut de la main gauche. C'était bien fait, ça. Ouais, t'as raison de le noter. C'était très, très bien fait.
On voit un Reyes beaucoup plus fatigué dans ce round. Tu vois, gars, il réplique pas, là. Alors que depuis le début du combat, il réplique à chaque fois. Oh! La main gauche, le crochet de la part de McGuinness. Oh, ça, ça fait mal. Excellent crochet de la part de McGuinness qui va pouvoir en profiter avec 30 secondes à faire au round. Ouais, il reste du temps en masse. Il lui reste en masse de temps, monsieur McGuinness, et il le sait. Travail au corps, Reyes qui se colle. Les deux boxeurs sont fatigués, là. Là, on sent l'usure des premiers rounds. Beaucoup au corps de McGuinness. Encore une fois. De l'autre côté, au corps et à la tête. Wow! Du bon travail de la part de McGuinness encore dans ce round, Mike. Oui, je pense qu'il est allé chercher ce round et ça fait un combat beaucoup plus serré, finalement. On a resserré le tout, là. De bien fait. Et tu l'as mentionné, Benoît, avec un début de combat tellement explosif, tellement actif. On ne peut pas s'attendre à voir ça peut-être pendant 10 rounds. Eh bien, ça va être intéressant de voir ce qui va se produire au cours des 4 derniers rounds. On voit des reprises, des bons moments de McGuinness. Entre autres, avec un excellent crochet. Regarde bien. On prépare au corps. Encore une fois. Et bang! Ah oui, le crochet de gauche. Il a réussi à le faire bouger, hein? Complètement. Même chose, même séquence ouais, de l'autre côté. Ça a été un coup au corps de la droite, de la gauche. Et finalement, revenir avec le crochet au gauche. Transfert de poids vraiment directement sur la cible. Et Reyes semble vraiment solide son menton, mais semble un peu plus vulnérable au corps. Donc, ce sera à surveiller voir si McGuinness va tenter de mettre plus de pression au corps sur Reyes. T'as vu comment, dès que Reyes a ouvert avec la droite, la porte était grande ouverte. McGuinness l'a vu. Boom! Et il est venu connecter avec un coup de poing très, très bien placé. C'était bien fait, ça. On est de retour maintenant, toujours en direct du Centre Bell pour cette belle soirée de boxe, la soirée retour de Jean Pascal qui va remonter dans le ring un peu plus tard après 19 mois d'inactivité. 19, McGuinness sur Reyes. Bon coup de poing de la part de Reyes, mais la garde de McGuinness était bien placée. On a vu les 4 premiers rounds du côté de Reyes, et maintenant McGuinness qui est vraiment revenu dans le combat et on a un combat de... Avec un écart d'un seul point maintenant en faveur. Ouais, un bon combat. Oh, c'est bien fait. C'était sec comme coup, ça. Et le vent qui a vraiment changé de côté pour ce qui est de McGuinness. C'est pas le même boxeur qu'au départ. Et là, on voit, là... S'il y avait un doute en début de combat, là, c'est effacé complètement maintenant, là. Ouais, il a beaucoup plus confiance en lui maintenant. Et puis, regarde, tu vois, là, qu'il... Il observe plus qu'est-ce qu'il fait présentement. Il utilise son jab, prend son temps. Ouais. Fait un pas arrière. Contrôle la distance avec Reyes beaucoup plus que dans les premiers rounds. On est presque à mi-chemin maintenant au septième round. Par-dessus la garde, c'est Reyes qui a réussi à frapper McGuinness. Le jab encore une fois qui touche pas. Là, ça y est, par exemple, ça a touché. Encore une fois et de belle façon. Et Reyes qui réplique bien et qui reste encore sur McGuinness. McGuinness qui tourne, qui tente de se placer devant Reyes qui est très actif parce que ce dernier se déplace beaucoup sur sa gauche et sur sa droite. On échange coup pour coup, là. McGuinness qui va beaucoup mieux là, depuis 3 rounds. Ouais. Celui que vous entendez, là, c'est l'entraîneur dans le coin de McGuinness qui dit d'être très actif avec ses mains. Et de servir son fameux jab qui a réussi finalement à trouver le preneur de l'autre côté. Et on voit Reyes beaucoup moins agressif qu'en début de combat. Ouais. Perte d'équilibre. Le jam encore. McGuinness qui a touché avec la droite. La barrière qui est venue toucher. Là. Combinaison pour Reyes. McGuinness qui, à son tour, maintenant, reste toujours devant son adversaire. Ouais, McGuinness qui commence à placer des coups solides. Ça vient faire encore, on va entendre ça. Une deuxième fois. Excellent round de boxe. Fin du septième. 10 secondes à faire encore. Reyes qui prend plus de coups qu'en début de combat, mais qui en donne encore.
Et voilà, septième round de complété. Autre bon round de boxe. Même si Reyes a voulu rester là, rester actif, devant lui, ça fera plus, là. Ouais, mais round très excitant, quand même serré. McGuinness qui a réussi quand même à contrôler l'action, à couper le ring et placer les meilleurs coups de poing. Donc, un round serré qui pourrait aller du côté de McGuinness. Reprise maintenant. Le jab encore. Belle main droite encore, t'as vu? Ouais, les deux qui ont réussi à placer de bons coups de poing, mais McGuinness qui a été beaucoup plus actif et au niveau du volume, il a dominé Reyes dans ce dernier round. Ouais. Vu des belles séquences. Oui, Reyes est encore actif et tout ça, mais là, ça a complètement changé. On a un combat de frères jumeaux ce soir. T'as remarqué? Alors, ce serait intéressant maintenant de voir la carte de M. Mancini. Est-ce qu'on a un pointage nul avec trois rounds à faire? Voilà. Exactement. 19 en faveur de McGuinness. Combat nul pour l'instant avec 66-66 le pointage sur notre carte à nous. Excellent combat, très partagé. Et les trois derniers rounds vont déterminer qui va l'emporter entre McGuinness et Reyes. Et dans les deux cas, on est conscient de ça, Mike. Absolument. McGuinness dans les câbles. Lui qui a dominé les derniers rounds. Reyes va tenter de retrouver le momentum qu'il avait un peu plus tôt. Jab amène la droite au corps par la suite. On voit que Reyes a ralenti considérablement. Il va vraiment par séquence de un ou deux coups de poing, puis par la suite se retire. Alors que dans les premiers rounds, il était actif, il allait en combinaison de 4, 5, 6 coups de poing. Donc, ouais, c'est ce qui fait la différence. Mais McGuinness qui peut absorber un ou deux coups de poing de la part de Reyes et par la suite placer ses coups de poing. Centre du ring maintenant. Oh, que les deux boxeurs étaient... Les deux gardes étaient baissés. On a tenté d'y aller avec une droite de chaque côté. Mais les deux sont là pour se battre, Benoît. Il n'y a pas de doute là-dessus. On n'est pas seulement venu récupérer un chèque de paye ce soir ici. On est venu pour se battre et gagner le titre. Crochet de la droite pour McGuinness. Le jab. Et est-ce qu'il a reculé, mais qui recule encore une fois. Tente de revenir à son tour avec une combinaison. Le combat a complètement changé dès que McGuinness a réussi à faire respecter son jab. Les mains de Reyes là, qui semblent lourdes. Ouais, la garde qui est plus basse. Il faut dire qu'il a laissé beaucoup d'énergie dans les cinq premiers rounds. Hein. Comme l'impression qu'il croyait peut-être être en mesure de passer le chaos à McGuinness et finalement ça ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait. Et finalement, là... Les deux en même temps sont chauds au menton. Oh, beau coup corps de McGuinness sur Reyes. Reyes qui reste collé sur lui. Mais Reyes, s'il veut gagner des rounds, il faut absolument qu'il fasse ce qu'il fait présentement. Il faut se coller sur McGuinness et lancer des combinaisons et être plus précis et plus efficace que ce dernier. On s'entend que même si ça va bien pour McGuinness depuis quelques rounds, lui aussi a laissé beaucoup d'énergie dans ce combat-là. Il s'est fait frapper. Il réussit à le surprendre. Et ça, ça fait toute une différence dans le combat. Il a tué au corps encore une fois, t'as vu? Corps au menton. Avec un uppercut au menton. J'ai hâte de voir la reprise. De voir la reprise, ben oui. Moins de 10 secondes à faire à ce round. Fin du round. On va te montrer la reprise, de quelle façon c'est arrivé. Reyes qui nous regarde en voulant dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est au menton? J'ai hâte de voir. Je crois que c'était au menton, un uppercut. J'ai mal placé. On va le revoir tout de suite. D'abord, Reyes qui travaille. McGuinness qui réagit. Au corps, ça a fait mal. Et au menton, après, ben oui. Ah, c'est un crochet. Tu l'as vu grimacer, hein? Il y a un coup au corps qui le fait grimacer. Regarde bien. Juste là. Au corps, ça grimace. Ouais. Et bang, il se fait surprendre après ça. Mais encore là, c'est le coup au corps qui a fait toute la différence. Et le coup à la tête qui a simplement terminé le travail. Mais encore une fois, c'est au corps. Et c'est la clé si on veut faire mal à ce boxeur de la République dominicaine. Il faut absolument le travailler au corps. Et ça, c'est payant. Deuxième chute au plancher dans ce combat. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui pourrait assurer du moins là,
Un verdict nul au cas où Reyes gagnerait les deux derniers rounds. Mais si McGuinness est en mesure de gagner un ou sinon les deux derniers rounds, pourrait se sauver avec la victoire. En tout cas, ça fait mal ce coup au corps. Et est-ce qu'il sera en mesure de revenir? Et ce McGuinness, lui, pourra en profiter. C'est relancé. Avant-dernier round, le dernier, encore une fois, McGuinness qui mène maintenant par deux points sur notre carte à 76-74. Et moi, j'ai exactement la même carte, donc il n'y a pas de doute là, que Reyes devra tenter quelque chose s'il veut espérer l'emporter. S'il pouvait mettre McGuinness au plancher, ça pourrait l'aider véritablement, mais cette chute lui fait très, très mal. La chute au 8e. Le l'échange des deux boxeurs, encore une fois. C'est Reyes qui recule. McGuinness qui avance, qui se porte à l'attaque. D'abord le jab. On a tenté de placer sa droite par la suite, mais Reyes l'attendait. Combinaison pour McGuinness. Ça n'a pas fait de dommage. Deux boxeurs qui ont collé. Marlon B. Wright qui casse l'action. Et on recommence. C'est bien fait par McGuinness là. Donc Reyes reculait, il a réussi à aller le chercher. Un chapeau là au coin de Logan McGuinness, on s'est bien ajusté. Un chapeau à McGuinness qui a vraiment fait un revirement de situation assez spectaculaire, merci. Et quand on croyait que c'est peut-être Reyes qui allait envoyer McGuinness au plancher, il essaie le contraire, là, Reyes qui est allé deux fois au plancher dans ce combat. Fin de McGuinness, Reyes qui réagit, frappe au corps, beau jab de part de McGuinness. Il l'a atteint deux ou trois fois. Il a tenté de placer une droite par la suite, malheureusement pour lui ça n'a pas fonctionné. Bel uppercut de Reyes, ça a touché le menton. Deux boxeurs qui sont là. Il semble épuisé, Benoît. Reyes, ça? Absolument. La bouche est ouverte depuis un round, t'as raison. C'est moins le fun pour lui qu'en début de combat. Le jour et la nuit. Ah oui. Moins d'une minute à faire à ce 9e et avant-dernier round. Avec Carlos Manuel Reyes et Logan McGuinness qui nous ont donné un bon combat de boxe depuis le début. Excellent combat. La main droite là, de Reyes qui a touché directement au menton McGuinness. Deux hommes qui tournent. Oh, la main droite. Crochet de la droite de Reyes. Ça a passé par-dessus la garde de McGuinness. Deux gros jabs de Reyes dans ce round-là. Ah, je pense que ça a affecté un peu une blessure au niveau de l'œil droit de McGuinness. Oh. Deux fois avec des crochets de la droite. Reyes a touché au visage de McGuinness. Et là, il saignait déjà, mais il y a encore plus de sang, là. Près de son œil. Oh, c'est intéressant, Benoît. Est-ce que c'est un round qui va à Reyes, ça? Moi, je le donne à Reyes. Oui, hein? Étienne Boulay qui est là ce soir, qui est venu faire un tour avec son ami Annick Doré qui est là aussi. Et on le voit là. Oh, I see that. Ça a laissé des traces ce combat-là. Keep that rhythm on this guy, man. Short little punches. When you're in this fight, you want to take that break? Flurry out downstairs. All right? You can't take no rounds off. Ah, c'est un bon round de boxe. McGuinness qui a dominé le début du dernier round et Reyes qui est bien revenu par la suite. Donc j'ai bien hâte de voir la carte de M. Mancini. Monsieur Mancini qui l'a donné à McGuinness, lui 86-83. C'est de cette façon-là que lui l'a vu. Je me fie plus sur Monsieur Mancini que sur moi, donc c'est correct. C'est pas un round facile à juger parce que c'était très McGuinness qui dominait, mais Reyes qui a tenté de voler le round un peu dans la dernière minute. Ouais. Ben là, c'est le dernier en tout cas. Avec 2 minutes 34 à faire, qui gagnera ce fameux combat?
À un moment donné, on pensait même pas se rendre au 10e, mais finalement, on y est. Oui. 10e et dernier round, donc important pour les deux boxeurs. Deux boxeurs qui savent très, très bien dans quelle situation ils se trouvent maintenant. Le jab de McGuinness. Reyes qui reste un peu plus loin maintenant. Et là, il se porte à l'attaque avec les deux mains. McGuinness l'attendait. Il n'y a pas de doute que Reyes, lui, se doit absolument là, d'envoyer McGuinness au plancher ou de gagner aisément ce round-là s'il veut avoir une chance de l'emporter. Oh, débranlé! Ouais, débranlé, Benoît! Il est non sur ses pieds, actuellement, et McGuinness essaie de tenter d'accrocher avec les deux mains. Tente d'accrocher, mais McGuinness qui réussit à le repousser. Wow! Et tu vois, il est encore debout. Oh, il est débranlé encore, Benoît. Oh, ouais. Oh, la belle main par McGuinness directement au menton, mais Reyes qui reste collé sur lui. Le crochet. Reyes est encore ébranlé. Et là, il se colle évidemment sur McGuinness avec un peu plus d'une minute à faire au combat. Oh, c'était bien pensé de la part de McGuinness. S'il arrivait à le toucher avec le dernier coup de poing là, à la droite arrière, là, ça aurait fait mal. On voit Reyes, malgré le nombre de combats qu'il a, n'a pas affronté de gros adversaires, manque d'expérience parce qu'il se fait frapper. Au lieu d'accrocher correctement, eh bien, il décide des fois d'échanger. Ouais. C'est ce qui lui coûte encore plus cher. Il aurait tendance à casser l'action. Là. Exact. Un peu plus de 30 secondes à faire au combat. Reyes qui reste collé sur McGuinness. Les deux mains de McGuinness, la gauche à droite, la réplique. Encore une fois, McGuinness. On se sera frappé du début à la fin. Quel combat! Ouais, quel combat spectaculaire! Et toute une performance de... Logan McGuinness. Il est temps que ça finisse pour Reyes! On a presque réussi à le faire tomber! Quelques secondes à faire! Et c'est terminé! Avec un dernier coup de poing en même temps que la cloche! Et Reyes qui est tombé au sol, et vraiment, les deux boxeurs nous ont fait tout un combat de boxe ici ce soir au Centre Bell. Vraiment, c'était spectaculaire, ça. Oui, Benoît, et surtout qu'on ne s'attendait pas à ça du tout, alors que Reyes a gagné les quatre premiers rounds, et par la suite, ce fut un peu l'affaire là, de McGuinness. Donc, la carte de M. Mancini, 96-92. Ouais. Moi, j'ai 95-93 pour Logan McGuinness. Ça reste un combat très serré. Mais il n'y a pas de doute que le gagnant, c'est McGuinness. Ça, je suis convaincu de ça. On voit maintenant quelques-uns des bons moments de ce combat. Alors qu'en début d'affrontement, c'était Reyes qui était partout sur le ring. Oui, on voit la différence. Ça, c'était Reyes lors des premiers rounds qui fonçait sur McGuinness et qui lançait plusieurs coups de poing. Par la suite, McGuinness qui s'est réveillé. Finalement, au cinquième round, avec des coups au corps, finalement, qui... Et ça a fait mal, ça a touché. Oui. Deux fois, il a réussi à y faire mal au corps comme ça. Absolument. Donc, McGuinness qui a trouvé la solution pour pouvoir faire mal à Reyes, c'est au corps que ça se passait. Au huitième maintenant, alors que McGuinness dominait davantage, il était capable de bien placer ses coups. Et vous allez voir que comme ça, au corps, d'abord au corps et bang, on vient finir le travail au-dessus, par-dessus, à la mâchoire. Et là, ça a fait mal, vraiment. C'était bien placé de la part de M. McGuinness. Et McGuinness qui a terminé en force pour s'assurer. Et là, c'est très drôle parce que là, vous le voyez pas, mais M. Mancini qui vient de voir comment toi, t'as jugé le combat, il t'a fait un petit sourire. Je sais pas ce que ça voulait dire, mais on avait le droit à un petit sourire. J'ai hâte de voir comment on a vu ça de l'œil des juges. Et on est prêt maintenant, je pense, ou à peu près, à aller à la décision. On y va maintenant, Christian Gauthier au centre. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. At the end of 10 rounds of action, we now go to the judges' scorecards. Le juge de Carufel remet une carte de pointage de 95-93. Judge de Carufel scores this bout 95-93. Le juge Gauthier, 96-92. Judge Gauthier scores at 96-92.
Et le juge Paquette, 97-91. Judge Paquette scores it 97-91 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Logan Cotton McGuinness.